14 minutes de jeu et toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et les Glasgow Rangers ici à Ibrox Park. Vent violent, pelouse humide, mais une équipe marseillaise qui tient fort bien le coup et qui impressionne par sa maturité. Et qui là perd la bataille des airs entre Atlé et Casoni. Dimeco, la tête de Coe, Murray. Oh là, ce tacle risque d'être réprimandé. Tacle de Didier Deschamps. Oui, observation de l'arbitre Monsieur Poul. Il ne faudra pas renouveler ce genre de geste parce que ce sera le carton. Ah, il peut y aller là, Barthez. Oh, un peu court, Barthez. Mikhaïlchenko. Oh là 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 là. Barthez qui est resté au sol sur ce choc avec Marc Attlé, mais il était passé un petit peu au travers, le gardien de but de l'Olympique de Marseille. Heureusement, Mikhaïlchenko à la sortie met la balle à côté. Chaud de cette première incursion avec ce ballon qui va très très haut, porté un petit peu par le vent, et Marc Attlé qui empêche Barthez de dégager ce ballon. Ils monopolisent le ballon quand même, les Marseillais. Oui, mais à quel prix, oui. Et avec quel risque de regarder, c'est pas facile. Ah, Alain Boxic là. Venez le ballon. Et le petit Robertson qui remonte. Très vif ce jeune joueur. Yann Durand. Casoni, alors que Desailly avait été pris à contre-pied. Pied gauche, droit devant pour Rudy Voller. Allez, dans l'axe. Face à Brown. Oui, le pied gauche, ah, super, barré de Andy Gorab, balle enveloppée d'un Rudy Voller, pas très fort mais bien placé. Et la pluie qui est recommencée à tomber, qui a recommencé à tomber violemment sur Ibrox Park, grosse pluie qui va rendre les conditions de jeu encore plus difficiles. Ah, mais le terrain tient admirablement bien, hein, la pelouse. Oui, Rudy Voller. Rudy Voller qui a une bonne occasion là avec Brown derrière lui. Au second poteau, s'il peut se retourner au second poteau. Oh, oui, but superbe. Le plat du pied. S'il pouvait se retourner, il a pu se retourner, Rudy Voller. Extraordinaire but de Boxic du plat du pied sur cette balle en or de Rudy Voller. Regardez, il est embarqué avec. John Brown, il arrive à se retourner, tout petit centre, plat du pied ouvert, décroisé. Et le tout à la 31e minute, l'Olympique de Marseille ouvre le score. Amédi Pelé, Boxic, Sauzé. Oui, plein champ, allez, champ. Allez, frappe. Plein champ. Oh, à côté, dommage. Angloma qui est revenu, Sauzé qui est là, Angloma qui appelle le ballon. Et qui fait un grand pont. Non, il sortira ce ballon. De justesse. Il est allé trop sur le petit David et le jeune David Robertson. Il s'est fait un petit peu mal aux adducteurs sur ce coup, Jocelyn Angloma, en sautant par-dessus son adversaire direct. Sauzé. Tire. Oh, elle est pas loin celle-là. Quelle de Pelé. Quel jeu, quel 1-2 pour le troisième, superbe action collective, si mes souvenirs sont exacts, entre Sauzé, c'est bien ça, Rudy Voller, et le ballon qui... Un centimètre à l'extérieur du but de Gorab. Brown, contré tout de suite par Deschamps. Ils ne sont pas très indulgents les spectateurs d'Ibrox Park parce que... Dans ces conditions, vraiment pas facile de jouer. Allez, Franck, comme elle est. Sauzé, il a mis en cloche pour... Il peut le prendre à contre-pied, il l'a pris. Et il a pris. But de Rudy Voller. But de Rudy Voller, but de chasseur de but. Glissade d'un défenseur écossais qui était le dernier, qui était le numéro 12, le dernier entrant, oui. Stephen Priestley. Regardez comme il se la lève du pied droit, il la lève du pied gauche et Gorham... Et Presley
Mésentente complète, un but que vous auriez presque pu marquer, Thierry, mais vous n'étiez pas sur Ibrox Park. J'y suis pas, mais voleur, il y était, et c'est l'essentiel. Et 2-0. Murray. Ah oui, il les met dans la boîte, il les met. Non. Et dégagement de Casoni. Allez, un 3 contre 2. 3 contre 2. Voller qui va provoquer Presley. Boxic qui sont revenus. Il est dans les 16 mètres. Il est accroché. Oh, quel arrêt de Gorham. Bien joué. Joueurs écossais, anglais, irlandais, ce sont des voltigeurs. Attention à Rudy Voller là qui se balade dans la surface de réparation des Rangers. Personne n'ose l'attaquer. Allez, Angloma. Frappe, bel arrêt. Elle était bien cadrée. Bel arrêt et... Super arrêt de Gorham. Pas une seconde à perdre du côté des Rangers. Un ballon en cloche, toujours McPherson dessus. Bonne récupération. Durant maintenant. En profondeur. Mikhaïlchenko. Il faut aller au marquage de Maksuga. Et c'est lui qui marque. Et c'est lui qui marque alors qu'il reste 12 minutes. Thierry Maksuigan qui venait d'entrer. Ballon en pleine lucarne. Ouais. Et c'est vers Maksuigan qu'il fallait aller au marquage, je le disais au départ de ce centre. Et à l'arrivée... Alors là, les 12 dernières minutes, je ne vous dis pas. Les 12 dernières minutes des Écossais vont être terribles, il faut en être parfaitement conscient. On tient le coup, on reste vigilant, on ne fait pas de faute et on garde ce score. McCall, il est passé, attention, et ce sera un corner. Attention le corner. Oh là, attention le corner, là la foule a grondé. Ils vont tous monter. En première mi-temps, il n'y a pas eu de bobo. Jouer rapidement. Mikhaïlchenko, Abedi Pelé est venu au marquage. Contre pour Mikhaïlchenko. Dégagement et récupération. Abedi Pelé. Oh, quelle fin de match. Faute. Non, dit Monsieur Poule. Maksuigan. Durant. Et but. Et but. But de Marc Atlet, la pression écossaise en cette fin de match quel est match. Terrifiante. Quel match! Et Maksuigan, extérieur du pied. Un ballon qui va plonger au premier poteau. À la rentrée de Maksuigan aura fait très très mal à l'OM. Et voici Franck Sauzet. Elle est forte. Bien détournée, non même pas touchée. Même pas touchée, mais juste au-dessus de la transversale. Elle était belle. 46 minutes et 44 secondes de jeu dans cette deuxième période. Et Monsieur Poul ne siffle toujours pas. Il regarde sa montre néanmoins. Elle est, et voilà, il est là, le point, on aurait pu croire aux deux points. Eh bien, 2-2, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais c'est un très bon résultat, croyez-moi, en Écosse.